Ça a commencé à vider. Bonsoir à tous, bienvenue sur les canaux digitaux de Loto Popo pour vivre donc cette affiche de la 9e journée du championnat national de football. C'est la Super League professionnelle pour ce match, surtout des extrêmes, puisque eh bien, le club qui occupe la lanterne rouge du championnat national de football s'appelle Dragons de l'Omé. Et c'est bien évidemment cette formation qui accueille cet après-midi le leader. C'est Loto Popo, champion du Bénin en 2021, qui en tout cas a lancé l'opération reconquête de sa couronne, de son titre depuis le début de cette Super League professionnelle, et ça se remarque dans les chiffres, ça se remarque dans les performances depuis le début de cette Super League professionnelle. C'est 8 matchs joués, 6 victoires, 2 matchs nuls seulement pour la formation de Loto Popo qui n'a connu 0 défaite depuis le début de cette Super League professionnelle. Mesdames et messieurs, pour vous faire vivre cette belle affiche cet après-midi, je suis en compagnie de Hospice. Bonsoir Hospice. Elle enchaîne des meilleures performances. 6 matchs, et 8 matchs, 6 victoires et 2 nuls. Et encore que sur ces 2 nuls, ils pouvaient mieux faire. On a vu lors de leur dernière prestation face aux Requins de l'Atlantique, ils étaient à deux doigts de remporter la manche. Mais Aliou, c'était pas le moment de revenir sur la polémique. Vous le savez comme moi. En tout cas, cet après-midi, c'est le moment de creuser l'écart. Encore que de l'autre côté, il y a l'adversaire direct, le poursuivant direct, le concurrent direct qui vient d'ouvrir le score, en tout cas à Ouga. Oui. On a des bonnes guerres par ici cet après-midi. Ah oui, effectivement, c'est une bataille qui s'annonce très très intéressante. Bataille à distance donc entre Loto Popo et Coton Football Club de Ouida, comme vous l'avez sans doute compris. Loto Popo qui a l'obligation en tout cas de s'imposer pour continuer à creuser cet écart au niveau en tout cas du classement général. On vous présente rapidement le plan de bataille des deux formations du côté de l'équipe de Grand Popo. On note la nouvelle titularisation dans les buts de Damil Olachéi, qui depuis deuxième match déjà de suite qu'il est allié dans les buts cette saison pour le compte de cette Super League professionnelle. Mathias De Guinon a plusieurs armes, en tout cas dans les 7m32, il peut compter sur ses deux gardiens dont il s'agit de Damil Olachéi Wilson et de Nouridine Gakou. Ce sont deux gardiens impeccables, donc la place de titulaire elle n'est pas aussi acquise pour
pour les deux. Donc, on a vu la prestation de Cheïd Amilola face aux Requins. Il a permis aux Siens de rester dans le match. Il a été décisif. Cet après-midi, Mathias De Guénon a confiance en lui et l'a reconduit dans le but. C'est justement ce qui fait la force de l'Autopopo, cette constante et surtout cet effectif tellement riche et tellement envié, sans doute par les autres concurrents directs. L'autre nouvelle dans cette équipe, en tout cas alliée par Mathias De Guénon, c'est justement les joueurs comme Peter Edema, qui depuis quelques matchs est en tout cas en train de rechercher encore le chemin des filets. On sait qu'il est sur une dynamique de 3 buts inscrits depuis le début de cette Super Ligue professionnelle. Jusque-là, il est toujours en quête de son nouveau but dans cette Super Ligue professionnelle. C'est vrai, son premier rôle, ça doit mettre les buts, mais Peter participe beaucoup plus à l'attaque défensive, il participe beaucoup plus à la conquête du ballon, il fait la sale besogne comme on aime bien le dire, Peter Edema, c'est vrai, il ne marque pas cet après-midi, espérons qu'il puisse faire trembler à nouveau les filets. Et bien voici le coup d'envoi de cette belle affiche comptant pour la 9e journée du championnat national de football, la Super Ligue professionnelle. Le patron de cette partie, le juge Tobosso Thibault, qui a donc donné le coup d'envoi de cette belle affiche du côté des Dragons de l'Ouémé. On l'a dit, ils sortent de cette défaite dans ce classico face aux Requins de l'Atlantique. Ça n'a pas du tout, en tout cas, ça ne s'est pas bien passé. Ensuite, ils ont enchaîné un match nul face à la formation des Cavalier de Niki, l'équipe la plus titrée du Bénin, ne se porte pas très bien. L'équipe la plus titrée du Bénin n'est pas au mieux de sa forme dans cette Super Ligue professionnelle. On va déjà suivre cette action avec, comme vous l'avez si bien dit, Peter Edema. C'est vrai que son premier rôle, c'est de mettre le ballon au fond des filets. Mais l'autre mission également, c'est souvent de participer à la construction du jeu, à l'image de ce premier qu'on a obtenu pour l'Autopopo. Et oui, allez, vous l'avez aussi si bien dit, les Dragons de l'Ouémé, c'est vrai, c'est le club, c'est l'un des clubs les plus titrés de notre championnat, mais c'est depuis quelques années, pour ne pas dire depuis plus d'une décennie, c'est une équipe qui se cherche, c'est un club qui est en perpétuelle reconstruction, et on le voit chaque saison, c'est la preuve facile, excusez-moi le terme, la preuve, c'est une formation qui est bon dernier au classement de la Super Ligue Pro, elle n'a encore engendré aucune victoire en tout cas depuis en 8 matchs. Oui, c'est vrai que quand on dit que l'équipe la plus titrée du Bénin occupe la lanterne rouge, beaucoup vont penser que parce qu'on est aujourd'hui 1er avril, c'est un poisson d'avril. Eh bien non, ce n'est pas un poisson d'avril. Eh bien, le club le plus titré du Bénin est bien le bien dernier du championnat national pour l'instant. Eh oui, et les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Ce n'est pas une affaire de poisson d'avril. Eh bien, 5 points seulement pour l'équipe des Dragons de l'Ouémé en 8 matchs. Cet après-midi, ils savent également qu'ils sont sous pression. Néanmoins, malgré ses contre-performances, il y a un homme qui peut quand même attirer son épingle de jeu dans cette formation des Dragons de l'Ouémé. Et celui-là, il s'appelle Christian Cochoni, le vétéran. Il est là, il est sur les pelouses du championnat béninois depuis plusieurs années maintenant. Et il continue toujours pas à maintenir le cap parce qu'il fait partie du top buteur de cette Super Ligue professionnelle. Comme un bon vin, il se bonifie, Christian Cochoni. On l'a connu à l'USKK, on l'a connu avec les Requins de l'Atlantique. Il a fait, je crois bien, éternel. Et il est revenu avec les Dragons de l'Ouémé. Et c'est le meilleur buteur, en tout cas actuel, de la formation. 4 buts en 8 matchs. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit poisson. C'est un requin qui est en face des deux. Un gros dragon, pas un petit dragon, qui est en face des défenseurs de l'Autopopo pour l'autre. On va sur ce coup franc au profit, bien évidemment, de l'équipe des Dragons de l'Ouémé avec Junior Paraiso, le spécialiste. Effectivement, il en a mis. Des coups de pied arrêtés dans cette formation des Dragons de l'Ouémé. Junior Paraiso pour tenter de... Attention! Ah oui, le poteau qui va sauver l'Autopopo! Ah oui! Quelle action! Ce n'est pas terminé! Ça tourne toujours là! Hospice, c'était tellement chaud et ce n'est pas fini parce qu'il y a encore un coup franc très bien positionné à venir pour les Dragons de l'Ouémé. Je vous l'ai dit, Junior Paraiso, c'est un spécialiste. Il connaît très bien ce terrain, il connaît très bien cette pelouse d'avant-cours omnisport. C'est un garçon, en tout cas c'est un maestro lorsqu'il s'agit des coups de pied arrêtés. Et on a vu sur l'exercice, il a fallu inquiéter Damien Lachey-Wilson qui a été sauvé par son poteau. Ah oui, effectivement, le poteau qui sauve. On revoit justement cette action avec ce ballon. Vous voyez le joueur des Dragons qui a été abandonné, sa tête.
Heureusement qu'il y avait ce poteau pour sauver Dami Lola. Mais ce n'est pas fini parce qu'il y a un très dangereux coup franc à venir pour la formation des Dragons de Lomé. Et quand c'est que dans l'effectif des Dragons de Lomé, nous avons Junior Paraiso, nous avons Fassasi Jamal. Effectivement. C'est une équipe qui est remplie des vétérans, je dirais, des championnats, des joueurs les plus expérimentés de notre championnat, des joueurs qui ont fait le beau jour de notre championnat. Ce sont des gars qui ont fait la Move League 1, Nasuba League et autres. Donc ce sont des joueurs qui connaissent très bien le championnat béninois. Ils sont dans leur jardin, ils sont dans leur marigot. Ah oui, effectivement, ils sont dans leur marigot. Parlant justement de cette formation des Dragons de Lomé, Jamal Fassasi, c'est des noms qu'on entend déjà dans notre championnat. Gabriel Agodji, ancien des Buffles du Bogou, Cyril Aloya, qui est également là. Il y a Bolahan Djamiou qui est également là. Kabir Kouché, que beaucoup connaissent également. En tout cas, du beau monde du côté des Dragons de Lomé. Et pourquoi ne pas rappeler que dans les buts, ils ont un certain Emmanuel Fabilly. Emmanuel Fabilly, ancien international béninois, qui a fait les beaux jours aussi du championnat béninois. Effectivement, il était tout récemment également du côté des Requins de l'Atlantique. Le coup franc à venir avec un gaucher et un droitier. Le droitier, c'est bien évidemment le spécialiste. Il s'appelle Junior Paraiso. Chéri qui continue toujours de redresser son mur, de mieux positionner ses gardes, ses éléments. C'est un coup franc des 19 mètres, je dirais, pratiquement. Donc c'est beaucoup plus compliqué aux gardiens, mais connaissant aussi Chéri Damilola Woodson, qui est aussi un très bon gardien de but. En tout cas, il ne va pas se laisser. On va suivre avec Junior Paraiso qui va chercher quoi? C'est finalement le mur qui s'impose. Ce n'est pas terminé, ça tourne toujours dans la sphère de réparation de l'Autopopo. On parvient finalement à écarter le danger. Et oui, danger bien écarté, je crois, avec beaucoup de sang-froid. Avec beaucoup de sang-froid, ils ont été calmes et ils ont suivi les consignes de leurs gardiens de but. Ils se sont très bien positionnés et on a vu Junior Paraiso qui a été inquiété par la barrière, le mur dressé par Damilo Lachey Wilson. Ah oui, c'était une belle opportunité en tout cas pour les Dragons de Lomé. En ce début de partie, ils affichent de très belles ambitions. C'est au gars de grand popo de sortir le grand jeu, comme ils savent le faire depuis le début de cette Super Ligue professionnelle. En tout cas, chaque équipe qui joue contre l'Autopopo se dit qu'elle est en train de jouer contre les champions, en tout cas les futurs champions peut-être, une équipe qui a tous les atouts, qui a toutes les potentialités pour sortir une deuxième étoile. Donc c'est le moment de ne pas leur rendre la tâche aussi facile. Ah oui, surtout lorsque vous maintenez une si impressionnante série d'invincibilité depuis le début du championnat. 8 matchs déjà joués, 0 défaite. Forcément, vos prochains adversaires, ils savent que le premier défi, c'est déjà d'aller vous tenir en échec, c'est déjà d'aller réussir à chercher cette victoire. Mais on va suivre déjà avec le capitaine Moussa Firou. Le très bon retour là de Abdoulaye Zakiou. Patrick Sediame pour Peter Edema. Ah oui, attention, la position irrégulière donc pour Christian Cochoni. Rodrigue Fassino pour tenter donc de remonter le terrain du côté de l'Autopopo. Ah oui, attention. Attention bien évidemment à Cyril Aloya. Cyril, c'est un garçon qui a l'air d'être très gentil. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est un gars très rugueux et qui, avec beaucoup plus de malice, essaie d'inquiéter et d'impressionner et de s'imposer face aux attaquants. Mais là, il a été pris dans son propre piège par le juge central. On repart avec Kanké Audrey, Olympe Ganti. Ce sera 6 mètres pour les Dragons de Lomé. Pour l'instant,
C'est un début de match poussif pour les Lotto Boys. Mais ils sont bien galvanisés, bien poussés par un impressionnant public qui, comme depuis le début de cette Super League professionnelle, marque toujours sa présence partout où le Topo Popo se trouve. Oui, une très bonne présence, une très bonne présence. Que ce soit à domicile comme à l'extérieur, c'est une équipe qui se déplace toujours avec ses supporters, qui est toujours là, qui ne ménage aucun effort à être là, à soutenir leurs joueurs. Et ces derniers savent très bien leur rendre cela par de très très bonnes prestations et de très bons résultats. Faisou Para pour Gaston Mbeyi. Faisou Para toujours avec le ballon. Cette fois-ci, c'est le capitaine, le maestro. Le ballon là, finalement, qui ne profite pas à Rodrigue Fassinou. Il faut s'appliquer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi Jamal Fattassi n'a pas le brassard aujourd'hui, ne porte pas le brassard cet après-midi. Effectivement, c'est finalement Amadou Moustapiou, effectivement. Oui, il a confié à son jeune partenaire. En tout cas, depuis le début de cette rencontre, après 10 minutes de jeu, ce sont les Dragons qui se montrent beaucoup plus incisifs. Ce sont les Dragons qui se montrent en tout cas beaucoup plus entreprenants. Et là, ça, à l'image bien évidemment de ce deuxième coup franc à l'entrée donc, de la salle de réparation de l'Auto Popo, c'est encore une opportunité pour les Dragons de l'UEME. Et si les protégés, si les coéquipiers de Patrick Sejamin veulent repartir d'avant coup avec les 3 points, ils doivent éviter cette petite faute à l'entrée de la surface de réparation, car c'est le point fort, des Dragons de l'UEME. Si vous avez un Christian Cochoni, fort dans les airs et de très très bons tireurs de coup de pied arrêtés à l'instar de Jamal Fassassi et de Junior Paraiso, je crois qu'il ne faut pas prendre. Il ne faut pas prendre ces risques inutiles. Ah oui, effectivement, il ne faut surtout pas prendre ces genres de risques, notamment ces fautes à l'entrée de la salle de réparation. Mais on va tenter de repartir donc du côté de l'Auto Popo avec Ganker Audrey. En l'absence bien évidemment de Imran. Voici Olympe Gantin. Abdoulaye Zakiou, Rodrigue Fassinou, Abdoulaye Zakiou qui va tenter de lancer qui? Gaston Mbeyi. Voici Abdoulaye Zakiou pour faire parler sa palette technique. Patrick Sidiame, eh bien oui, les Lotto Boys commencent par retrouver le Mac. Quel joli ballon de Olympe Gantin pour Touré Kader, la passe. Finalement, il n'y aura personne à la réception de ce ballon. Il n'aura personne parce que Kader Touré n'a pas pu bien ajuster son centre, n'a pas pu bien redresser le ballon, son centre en retrait. C'est vrai, il avait l'intention, mais dans l'action, ce n'était pas ça. Donc on ne pouvait incriminer personne, non. En tout cas, sur cette action, si ce n'est Kader. Le ballon est déjà récupéré assez rapidement par l'équipe habillée en blanc cet après-midi. C'est bien évidemment celle venue de la cité balnéaire de Grand Popo. Ganker Audrey, qui recherche une solution, ce sera finalement Olympe Ganti. Voici le capitaine de l'équipe championne du Bénin 2021. Oui, s'ils veulent vraiment faire douter cette formation, ils doivent temporiser et ne pas tomber dans leur piège, ne pas se laisser aller. Ils doivent essayer de traverser, en tout cas de franchir les rideaux étape par étape
Dans ce cas, il faut conserver, il faut faire circuler la balle, il faut faire douter l'adversaire, il faut faire courir l'adversaire, il faut chercher les petits espaces, il faut jouer avec, il faut souvent remiser et jouer avec la troisième option, c'est-à-dire la troisième solution, jouer sous le couloir et autres. Mais si il faut tout le temps balancer le ballon, je crois qu'ils vont, se mettre en difficulté, les Lotto Boys. Le brassard cet après-midi a-t-il été trop lourd pour Amadou Moussa Firou, puisque là, après 10 minutes de jeu, avec le brassard, il va finir par céder donc sa place à Gossa Moussa. Ça ne sera pas bon pour Stanislas Akele, le technicien des Dragons de Lomé. Et en tout cas, le brassard n'est pas allé en tout cas jusque-là. Mais Jamal Fassa, si c'est Junior Paraiso qui le prend, et ça dit que le capitaine est en train de déléguer son rôle de capitana, en tout cas, sans pas de l'histoire d'un capitaine. Ce n'est pas seulement le brassard, c'est le leadership sur le terrain. Même sans brassard, Jamal Fassa, s'il peut toujours continuer par gouverner cette formation des Dragons de Lomé. Ah oui, c'est Agossa Moussa donc qui prend la place de Amadou Moussa Firou. Et Junior Paraiso qui récupère donc le brassard du côté des Dragons de Lomé. Cyril Aloya pour la touche. Agossa pour son premier ballon. Voici le meilleur buteur des Dragons de Lomé. C'est le vétéran Christian Cochoni. Il perd le ballon. Gaston Ngbeji. Rodrigue Fassinou. Gaston Ngbeji. Audrey Garquet. Ah oui, il n'y a pas de faute pour Peter Edema sur cette action. Temps de repartir du côté des Dragons de Lomé. Avec Djamiou Bolahan, Agossa Moussa, le nouvel entrant donc. Ah oui, il y avait une position irrégulière. C'est vrai que le juge central a tardé avant de se décider, puisque son premier assistant, sinon le deuxième assistant, avait déjà levé son fanion. Oui, et c'est une erreur de communication. Et on ne va pas les en vouloir parce qu'ils n'ont pas de kit oreillette pour faciliter la communication. Donc on ne va pas les en vouloir là sur ce coup. Cyril Aloya qui s'en sort une fois encore là avec un coup franc. Il faut qu'ils évitent souvent d'aller au contact avec Cyril. Cyril, c'est un excellent tricheur quand il s'agit de simuler, en tout cas, sur les coups de pied, en tout cas pour obtenir les coups de fond. C'est un excellent tricheur. Il faut qu'ils évitent d'aller souvent au contact. En tout cas, ils doivent contrôler le contact avec Cyril Aloya. Ah oui, Cyril Aloya, il s'est senti les coups. Il s'est provoqué. Ah oui. C'est aussi ça aussi, le style qu'adoptent certains joueurs, même au niveau international. On le voit, les Vinicius Junior, les Neymar Junior. Ils savent provoquer les adversaires pour obtenir souvent des fautes. Et le spécialiste, c'est Dele Alli. l'ancien de Tottenham, qui est du côté de la Turquie maintenant. C'est pour dire que la tricherie n'amène souvent pas loin. Il faut jouer simplement. On repart du côté de l'Autopopo avec Peter Edema. Ah oui, la faute, bien évidemment, il s'en sort avec la faute. Et c'est ce que Peter Edema tentait d'expliquer au premier assistant. Il a été poussé. Heureusement que le juge central a bien suivi l'action. Il a bien suivi l'action, c'est ce qu'on demande. C'est vrai, il a expliqué, on a vu après d'avoir assisté, il a démontré à son collègue qu'il était plus proche de l'action. Et je crois que c'est ce qu'on demande, aux gars. Appliquez-nous simplement les 17 lois du football. Et nous autres, nous allons jouer au football. Nous autres, nous allons jouer notre rôle de commentateur. Et il n'y aura pas de critique. On va suivre ce coup franc à venir pour l'Autopopo avec Rodrigue Fassinou pour aller chercher la tête de qui? C'est finalement Fabi Emmanuel qui s'impose, mais ce n'est pas fini. Il y a Faizou Para qui est là. En temps de repartir complètement en arrière avec Audrey Ganquet. Gaston Ngbeji du côté de l'Autopopo. Il ne faut pas forcément tomber dans le piège de l'adversaire aussi, qui parfois va tenter de vous endormir.
qui jouent, qui essaient de jouer dans un faux rythme. Ils essaient de faire baisser la garde. Alors qu'on revoit là le coup franc de Rodrigue Facinou et la sortie d'Emmanuel Fabilly qui des deux points botte ce ballon loin de sa cage. Très bien joué par Peter Edema qui va servir qui. Oh, finalement le ballon de Gaston Gbeji n'est pas donné dans le bon tempo mais ce n'est pas terminé. Le ballon piqué la tête de Peter Edema malheureusement. Il n'a pas su ajuster ce ballon, il avait pourtant réussi à sauter plus haut que tout le monde. Il a réussi à sauter plus haut mais il n'était pas dans la bonne position. Il n'était pas dans le bon timing pour pouvoir reprendre ce ballon de la plus belle des manières. Ce ballon aussi n'était pas venu avec de le centre n'était pas très bien dosé, n'était pas très bien ajusté. C'est vrai, l'intention était bonne, mais ça n'a pas permis au renard de surface de bien reprendre son ballon et de l'ajuster afin de propulser au fond des filets. Cyril Aloya, ce sont les Dragons qui ont le pied sur le ballon. Junior Paraiso, attention parce que c'est Christian Kojoni qui est là. Il va tenter d'ajuster son ballon, mais ce sera finalement un corner. Il faut se méfier de ce monsieur. C'est vrai qu'il ne fournit pas assez d'efforts sur la pelouse, mais les quelques rares ballons qu'il peut toucher, ça peut faire mouche. En fait, il arrive en marchant, il arrive à se faire complètement oublier par la défense et il profite de cela pour pouvoir profiter et profiler ses ballons sur cette action. On a vu, c'est parce qu'il a raté, c'est parce qu'il a manqué son contrôle. Sinon, tout était fait pour inquiéter Damilo Lâché. Junior Paraiso, c'est finalement la tête de qui? Faut pas le laisser reprendre. Attention, le ciseau qui ne trouve finalement pas le cadre, c'est Kabirou Koutché qui tentait ce geste spectaculaire. Il a été abandonné un tout petit peu et il a failli créer la sensation. Et Alou, je vous le disais, il faut jamais laisser Christian Kochoni prendre les dessus dans les airs. C'est vrai, il a la taille, il a l'avantage de la taille, mais ce n'est pas un argument pour le défenseur de le laisser souvent seul dès que les balles aériennes se propulsent. Donc il faut souvent l'éviter. On a vu sur cette reprise de Kabirou Koutché, c'était. On revoit justement cette action avec déjà. Voilà, c'était Christian Kochoni qui arrive à gagner son duel aérien en face de son défenseur de l'Autoboys. Donc à la prochaine, il faut souvent éviter cela, sinon ça risque de créer de véritables dangers. Mais Hospice, comment est-ce qu'on parvient à prendre le dessus face à des attaquants d'un tel gabarit? Ce n'est souvent pas facile. Mais je crois que d'abord, il ne faut pas le laisser sauter, il ne faut pas le laisser prendre le dessus, être collé à lui. Je ne dis pas qu'il faut commettre des fautes sur ce dernier, mais l'empêcher de sauter, c'est être mieux fait, pratiquement la cage à culotte, je dirais. Et peut-être le déstabiliser avec les mots doux, ben, vieux, toi tu es très vieux. Et en faisant surtout beaucoup très attention, voilà. Parce que ça se passe très souvent dans la sphère de réparation. Oui, très très souvent. Donc il faut être vigilant et il faut être aussi expérimenté pour le faire. Christian Kojoni. Ah oui, il va s'en sortir faute. Ils étaient obligés de se mettre à trois. Pour s'imposer face à Christian Kojoni. Les habitués du football béninois savent forcément de qui il s'agit quand on parle de Christian Kojoni. Ce match, c'est aussi une bataille tactique entre Stanislas Akele et Mathias Deguenon. Et oui, deux experts, entraîneurs très respectés au milieu du football béninois. Et très tactique. Très tactique. On voit deux équipes qui jouent pratiquement dans une philosophie de jeu quasi opposée. On voit le Toboise qui cherche souvent à jouer avec le ballon. Tandis que les Dragons de Lomé, que ce soit sous les comptes, que ce soit avec les ballons, ils essaient de se débrouiller tant bien que mal. On a vu cette belle intervention de Olympe Ganti sur Christian Kochoni. A vu la frappe lointaine. Écoutez, quelle parade exceptionnelle signé chez Ida Milola. La frappe venue de nulle part. Signé Agbodji, je crois bien. Quelle frappe. Je crois qu'il
À un moment donné, il voulait s'éclipser pour laisser le ballon peut-être. Il se disait que ce n'était pas une femme cadrée. Mais au dernier moment, il a revenu sur sa décision. Il a décidé de plonger et de mettre la main. Et heureusement pour lui, c'était une frappe bien cadrée. C'était une frappe qui a surpris tout le monde. Et c'est vrai, quand personne ne va au marquage, vous laissez le libre choix au joueur de tenter sa chance. Et tant bien que si c'est cadré ou pas. Mais... On va revoir cette belle bombe. Écoutez, dans un premier temps, effectivement, chez Ida Milola qui avait l'impression que le ballon ne venait pas, n'était pas cadré. Mais au dernier moment, il va s'imposer. C'est ce qu'on demande au gardien de but. C'est ce qu'on demande à un certain Cheikh Damien Lola parce qu'il sait que la concurrence sur le banc de touche, elle est terrible. Très, très rude la concurrence quand vous avez Nourouddin Ngakou. Mais en tout cas, ce n'est pas une concurrence facile. Ce sont deux grands gardiens. Cheikh qui a eu un bon parcours, un international béninois. Il a fait Ayema Football Club, il est allé s'exiler de l'autre côté de la Guinée. C'est vrai, quand il a fait aussi Énergie Football Club, il a participé aux compétitions africaines avec cette formation. Donc c'est un gardien avec un long CV. De toutes les façons, il a su pour l'instant. Faïs Okwara, Peter Edema pour tenter d'écarter ce qui. Finalement, c'est la défense des Dragons qui s'impose. Elle sait, cette défense des Dragons, que le danger peut venir de toutes parts du côté de l'Auto Popo. Oui, et pour le moment, j'ai du mal, je m'inquiète beaucoup pour cette formation de l'Auto Boys. Ils n'arrivent pas à trouver leur jeu sur le côté, les renversements. C'est dans cet exercice qu'ils sont tellement forts qu'ils arrivent à faire douter l'adversaire. Pour le moment, Rodrigue Fassinou n'arrive pas à monter, n'arrive pas à aller aux avant-postes. On voit aussi les dédoublements qui ne marchent pas de l'autre côté de Kader Touré. Espérons véritablement que cette formation de l'Auto Popo retrouve son niveau réel parce que pour l'instant c'est assez approximatif ce qu'on voit. Il faut prendre des risques, il faut aller chercher, il faut aller provoquer. Abdullah Zaki Wahabi, attention, la faute de Cyril Aloya, cette intervention assez énergique, la présence bien évidemment dans les gradins du sélectionneur national et de son adjoint Genotro et Moussa Latoudji pour venir donc assister à cette belle partie du football. En l'absence d'une véritable direction technique vraiment dynamique. Ne reviendrons pas sur ce débat, mon cher. Place bien évidemment au jeu pour l'instant avec ce coup franc venu pour Rodrigue Fassinou. Il aura certainement notre plateau pour ce. La présence aussi avec la tête personne. C'est Fabien Emmanuel qui s'impose. Mais ce n'est pas terminé cette fois-ci avec Rodrigue Fassinou pour tenter de chercher qui. Son ballon va finir dans les gants d'Emmanuel Fabilly. Les deux dernières minutes ont été beaucoup plus à l'actif de l'Auto Popo. C'est ce qu'on demande à l'équipe venue de Grand Popo. Continuez pas à pousser, continuez surtout pas à prendre les risques. Il faut faire douter l'adversaire, il faut faire douter les joueurs de Dragon de Lomé. Il faut les amener à leur dire que ce petit temps qu'ils ont eu pour dominer la partie, c'est désormais du passé. Le maître sur le terrain, le maître sur le rectangle, c'est bien les Lotto Boys, c'est bien les joueurs de l'Auto Pro Football Club. Donc je crois que c'est ce qu'ils essaient d'imposer. Ils essaient à présent maintenant de mettre en place leur schéma tactique, de déposer leur jeu, d'asseoir leur jeu. Moussa Gossa, il n'y a pas de faute. Belle intervention de Rodrigue Fassinou pour chipper ce ballon à son adversaire. Très bien joué là par Abdullah Zaki pour trouver Gaston Beji. Ça passe, pourquoi pas avec Peter Edema. Ah oui, c'est Emmanuel Fabilly qui est obligé de se détendre pour sauver cette belle frappe de Peter Edema. Sa première tentative dans cette partie cadrée. Première tentative, mais comme j'aime bien le dire, allons au début de l'action, je crois que c'est une très bonne défense de Rodrigue Fassinou qui joue, qui relance rapidement sur son partenaire. C'est pour le dire qu'en une ou deux ou trois passes, cette équipe de l'Auto Boys peut créer le danger sur cette passe, sur cette frappe de Peter Edema. Je crois qu'il n'a rien à dire. Il a fait
il a fait l'essentiel et il faut saluer tout simplement ce geste. Regardez, il s'est déployé, il s'est déployé. Oh mon Dieu. Entre deux défenseurs comme ça, il parvient à trouver le timing. Eh oui. D'où vient cette main de Manuel Fabini? Je voyais ce ballon au fond des filets. Ah oui, cette touche de Cyril Aloya qui finit directement dans les gants de Chey Damilola. Ganquet également qui est en train d'assurer en tout cas pour l'instant dans ce match en l'absence de Imran Ibrahim. Il faut éviter cela, il faut éviter cela, il faut éviter cette perte de balle. Ne pas commettre de faute. Il faudra qu'ils évitent de faire cette perte de balle en milieu de terrain. Sur cette faute avec Cyril Aloya pour piquer ce ballon en direction de son attaquant maison Christian Cochoni. Junior Paraiso, duel des capitaines ici. Ah oui. C'est Junior qui s'impose. Voici Agossa. La frappe de Agossa une fois encore. Ah oui. Il me semble très intéressant ce numéro 17 des Dragons de Lomé, Moussa Agossa. Ouais, c'est... Ah oui, le point virgule face à Rodrigue Fassino et après cette frappe, même si elle n'est pas cadrée derrière. Ballon encore perdu par le Topopo. Mais Gaston Gueye qui a aussi perdu le ballon. Christian Cochoni qui va jouer en une touche. Belle intervention de Olympoganti. Belle lecture de jeu. Belle lecture, lecture surtout parce qu'il y avait Kabirou Koutché qui était lancé. Odjouma Golahan. Agbodji. Gabriel. Alors récupéré par l'autopopo. Attention à Patrick Sédiamé qui va s'en sortir avec une faute. Faudrait il ne faut pas tenir. Oui, voilà, faudrait qu'il libère vite la balle avant d'être servi. Il doit d'abord prendre l'information, savoir avec quel partenaire jouer, avec quel partenaire combiner. Surtout quand on se retrouve devant sa propre défense. Ah oui, le ballon il est perdu. Attention, ça passe. Ce sera finalement une faute obtenue donc par Christian Cochoni face à André Ganquet. Christian qui devient de plus en plus menaçant. Ah oui, très menaçant effectivement. Les joueurs offensifs des Dragons de Lomé. Et ils ont intérêt à se montrer au menaçant. Oui, sur chaque ballon, ses partenaires veulent le retrouver. Sur chaque ballon, sur chaque action, l'homme a retrouvé dans la surface de réparation s'appelle Christian Cochoni, côté Dragon. Junior Paraiso pour exécuter donc ce coup franc. Aller chercher la tête de qui? C'est finalement celle de Rodrigue Fassino qui écarte donc le danger. Mais le ballon reste toujours au profit des Dragons de Lomé. Face à Sidiamal. Ah oui, une fois encore. Il sait exploiter son gabarit, il sait exploiter sa taille. Christian Cochoni. Il sait exploiter son atout. Comme une carrière de mine, il sait très bien l'exploiter. Malgré l'ampleur de l'âge, c'est vrai. Ses performances sur le terrain nous amènent, nous fait certainement oublier que c'est un garçon qui est
au-delà peut-être de la trentaine, on ne le saurait. Ah oui, forcément, ouais. il est déjà au-delà de la trentaine. Voilà, donc. Pourtant, il continue quand même de maintenir ce rythme. Voilà, donc. Cette belle dynamique sur les pelouses. Il se bonifie tout simplement. Rencontre après rencontre. Moussa Gari, lui aussi, il sait qu'on attend beaucoup de lui cette saison. Le ballon est perdu par l'Autopopo, récupéré donc par... Ah oui, très belle lecture de Ganké Audrey là, Gaston Mbeji. Il faut jouer rapidement avec son partenaire. C'est vrai, il faut essayer de faire courir Christian Cotoni. On sait qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans, n'a plus ses jambes de 17 ans. Il faut essayer de le faire courir devant la surface de réparation. Il faut l'amener à venir au centre pour chercher le ballon et à jouer un rôle de premier défenseur. Là, il sera complètement fatigué, anéanti et il ne pourra plus faire assez d'efforts. Donc c'est comme ça ils vont le faire pour pouvoir prendre le dessus sur ce temps fort. Patrick Sejamet, le capitaine de l'Autopopo. Temps de calmer Olympe Ganti. Ah oui, Gaston Mbeji, finalement il y aura cette muraille orange. Christian Cotoni n'ajuste pas son ballon, ce n'est pas la bonne inspiration. Ce n'est pas une affaire d'inspiration, ce n'est pas son rôle, c'est lui qui devrait être servi, mais ce n'est pas à lui de faire de servir les gens, il n'est pas dans son premier rôle, donc pas lui en vouloir. Renversement de jeu sur Cyril Alaya. Ah oui, Cyril Alaya qui continue de bouffer, mais va perdre ce ballon. Abdoulaye Zakiou, Patrick Sejamet, Audrey Ganquet, Gaston Mbeji. Je crois que, hormis la puissante frappe de Peter Edema, Emmanuel Fabilly n'a pas été inquiété cet après-midi. En tout cas, pas durant ces 36 premières minutes. Ah oui, effectivement, on peut le dire après-midi tranquille pour l'instant. Pour Emmanuel Fabilly, ce n'est pas... ni de l'attaque de l'Autopopo. On sait que depuis le début de cette Super Ligue professionnelle, ça fait partie des formations qui initient beaucoup plus d'actions offensives. On sait se créer des occasions. On sait comment s'inviter dans la sphère de réparation de l'équipe adverse. Mais cet après-midi, ça semble un peu plus difficile. La touche pour Cyril Aloya. Ah oui, ça passe également pour Agossa. Finalement, c'est sa spécialité. Cette virgule à la Ronaldinho. Et Rodrigue, finalement. Je n'arrive pas à comprendre Rodrigue. Rodrigue ne peut pas se laisser faire. Il en a déjà pris une première, une deuxième et une troisième. Il doit revoir, il doit corriger le tir, il doit essayer de ne pas se faire prendre prochainement. Et je le dis, il faut souvent éviter de commettre ses fautes. Là, ça devient de plus en plus dangereux, ça devient de plus en plus inquiétant. La défense, en tout cas, le côté droit de la défense de l'Autopopo n'est pas inspiré cet après-midi. Ah oui, attention, on continue de multiplier les fautes. À l'entrée de sa sphère de réparation, ce n'est pas un bon signe. Et la plupart de ces fautes sont souvent viennent de ce côté, c'est-à-dire que c'est un côté, excusez-moi le terme, un peu faible. C'est le côté fort des Dragons de Lomé. Ils ont trouvé peut-être la faille sur ce côté qu'ils exploitent mieux. On va suivre le capitaine des Dragons de Lomé, Junior Paraiso, sur ce coup franc.
Attention, ah oui, il y a beaucoup. Il y a du beau monde dans la salle de réparation. Attention à Kader. Attention à Kader. Effectivement, il faut rester fair play jusqu'au bout de cette action. Attention, attention, que s'est-il passé là aussi avec Gabriel Agbodji? On va essayer de voir ce qui s'est réellement passé sur Moussa Gari, ou plutôt Faïsou Para. Mais il s'est déjà relevé. Junior Paraiso. Ah oui, attention, c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score. Junior Paraiso. Pour ce ballon qui a été touché, dévié par l'inoxydable Christian Cochoni. Je le disais, je le voyais venir, je voyais venir ce danger. Je l'ai dit à plusieurs reprises, le danger viendra sûrement de lui. Il doit se reprendre. Ah oui. Je l'ai dit. Ce ballon très bien exécuté par... Je l'ai dit, le danger viendra sûrement de lui. Vous le voyez, il a suivi et il a placé effectivement ce bout de crampon pour repousser ce ballon. Ah oui, pour une fois, Cheïda Milola s'est troué. Il ne s'est pas troué, il ne pouvait rien faire. Parce que là, véritablement, peut-être qu'on va tenter de revoir l'action. Il sort avec les deux points. Mais il ne s'impose pas réellement. Non, en fait, mais pas une affaire d'imposition, mon cher Aliou. Je crois qu'il n'a pas, et on le voit, il n'a pas. Ah oui, attention, encore un ballon de perdu. Christian Cochoni qui est lancé. Ah oui, la position irrégulière finalement. Je crois, il a été... On va essayer bien évidemment de revenir sur cette action du but. Christian Cochoni a tout simplement anticipé sur la sortie de d'Amilola Chey et il a dû placer. Oh, il y a une position irrégulière qui a été signalée là sur Abdoulaye Zakiou. L'Auto Popo est mené. Et ce sont plutôt les dragons de l'Emé. On va revoir cette action. Regardez justement. Est-ce que ce n'est pas, est-ce que ce n'est pas un CSC? Est-ce que ce n'est pas finalement, un contre son temps? On se demande même si quelqu'un a-t-il réellement touché ce ballon de Paraiso Junior. Ah oui, si. Ils ont changé la trajectoire de la balle. Et pour la seconde fois, pour la deuxième fois, dans cette Super League Pro, les Dragons sont menés au score. La dernière fois, c'était, en tout cas la première fois, c'était... Le Topopo est mené au score, effectivement. Ouais, c'était à Djong, lors de la quatrième journée. Face à Asbo et... Score final. Deux buts partout. Ça veut dire que le Topopo est capable. Voilà, est capable de revenir dans cette partie. Et est habitué à ce genre... De scénario, effectivement. Olympe Ganti. Peut-être tenter déjà de montrer à quoi va ressembler le visage de l'Auto Popo pour le compte de la seconde période. Profiter de ces trois dernières minutes de la première période. Les dragons de l'Emé, toujours le pied sur le ballon.
sera finalement une touche. Il n'y a pas de faute estime en tout cas Tobosu, Thibaut. La défense des Dragons qui s'impose. Cyril Aloya, Puragosa, Moussa. Il n'y a pas de faute. Ça passe. Patrick Sediame. Là également l'inspiration de Patrick qui ne prospère pas. Temps de repartir déjà avec Kabirou Koutché. Kabirou Koutché en duel ici avec. Et quand c'est pour les amoureux des statistiques, en tout cas des chiffres, je crois que les Dragons ont toujours l'habitude d'ouvrir la marque, en tout cas depuis le début de la Super League Pro, mais ils se font très souvent rattraper. On l'a vu. Même le dernier match, ils avaient ouvert le score face aux Cavaliers de Niki. Voilà. Après, ils ont été rattrapés au score. Pareil également face à la formation de Damissa. Ils menaient au score, ils ont été rattrapés. Et souvent dans les toutes dernières minutes. On va sur ce coup franc encore. Cette fois-ci, Chéhi Damirola s'impose. Olympe Ganti, on est en train de jouer l'ultime seconde du temps réglementaire pour le compte de cette première période. L'Autopopo est mené 1 but à 0 depuis la 38e minute de jeu. Mauvais choix là de Patrick Sediame. On essaie de temporiser du côté des Dragons de Lemay. Ah oui, ce numéro 17 des Dragons est un magicien. Très technique. Attention, ça peut pas, ça peut profiter à l'Autopopo. Cette contre-attaque. Peter Edema. Ballon trop appuyé. Faizou Para, il est capable de tirer depuis cette position. Il va solliciter qui finalement le centre de Touré Kader qui va mourir dans les gants de Emmanuel Fabi. Mais là, c'était quand même très bien construit. Très bien construit, mais à la fin, il a donné un cadeau à Emmanuel Fabi. C'était un centre en retrait qu'il devait effectuer. Il a pratiquement gagné tous ses duels aériens dans cette partie. Christian Cochoni. Ah oui, ça manque de mouvement. Au niveau de l'entrejeu de l'Autopopo. Ouais, pas d'appel de balle en profondeur. Il n'y a pas de faute. C'est bien, oui, finalement. Le juge central. Il va signaler la faute sur Peter Edema. Ou plutôt la faute commise par Peter Edema. Alors ouais. Que le premier assistant, lui. Qui était plus proche de l'action. Plus proche de l'action, ouais. Il a estimé qu'il n'y avait absolument rien. Faizou Para, il faut se décider le plus rapidement possible. Et comme ça, comme toujours, les conséquences de la tergiversation, c'est que ça permet à l'adversaire de rapidement se replier et de vous empêcher de développer votre action. Patrick Sediame. Ils ont du mal à prendre la décision. Ils ont du mal à prendre la décision. Et bien voici donc le coup de sifflet final pour le compte de cette première période. L'Autopopo est mené.
1-0. But inscrit à la 38e minute de jeu. Mon cher Hospice, on n'a pas vu un grand Loto Popo pour le compte de cette première période. On n'a pas vu un grand Loto Popo, comme vous l'avez si bien dit. Mais on n'a pas aussi vu un Loto Popo aussi nul que ça. C'est vrai, il a quelques failles, il a quelques ouvertures, il a eu quelques points faibles et qu'a su bien exploiter l'adversaire de ce soir. C'est-à-dire, je reviens sur le côté droit. Je crois qu'en seconde période, il faut trouver plus de solutions, il faut trouver assez de solutions pour pallier. En tout cas, je ne demande pas un changement, mais il faut parler aux garçons, il faut parler à ses propriétaires, en tout cas à ce propriétaire du côté droit de la défense de l'Auto Boys, pour qu'ils puissent revenir avec une très très bonne énergie et revenir rentrer dans son match. Ce jusque-là, je crois que c'est le seul côté qui est en train de pêcher côté l'Auto Boys. Au-delà de ce flanc droit qui effectivement n'est pas forcément dans le jeu, il y a également le milieu de terrain qu'on n'a pas beaucoup vu cet après-midi. D'habitude, voilà l'Auto Popo avec Moussa Gari, Patrick Sediamé, on sait maîtriser le milieu de terrain. Pour l'instant, ce n'est pas encore ça, en tout cas après les premières 45 minutes de jeu que l'on a vu. Oui, probablement il n'y a pas eu une bonne cohésion, il n'y a pas eu une bonne synergie entre au milieu de terrain, je dirais. On voit les mauvaises décisions, les mauvaises prises de décision, les mauvaises. Un manque total de précision, l'imprécision côté l'Auto Popo sur le milieu de terrain avec Patrick Sejamé qui tergiverse, qui tente, est-ce que je dois donner, est-ce que je ne dois pas donner et autres. Donc ils doivent patienter, ils doivent prendre le mal à patience, essayer de faire circuler le ballon, de chercher les partenaires démarqués, de profiter des appels de balle depuis terrain démarre profondeur, qui est pratiquement le seul joueur à pouvoir faire ce genre d'exercice. Donc ils doivent revenir en tout cas en seconde période avec de très très bonnes intentions s'ils veulent quitter ici avec les 3 points. Mais de ne pas être pressé, de ne pas. Sinon, plus ils tergiversent, plus ils paniquent, plus ils vont laisser des failles, plus ils vont permettre à l'adversaire de prendre confiance et de mettre au bout ce que nous ne voulons pas et ce que nous ne souhaitons pas. Voilà mon cher Hospice, on va marquer la toute petite pause et revenir donc dans moins d'une dizaine de minutes pour la seconde partie de ce match, ce duel des extrêmes qui pour l'instant est en train de tourner à l'avantage bien évidemment de la lanterne rouge des Dragons de Lomé qui mène au score depuis la 38e minute de jeu. Chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, on marque la pause et on vous retrouve dans moins d'une dizaine de minutes pour la seconde période de ce match. A tout à l'heure.
Retour au stade Omnisport d'Avrancourt pour le second acte de ce Dragon Loto Popo. 45 dernières minutes donc de ce match des extrêmes qui oppose donc le premier au dernier de la Super League professionnelle. Sauf que la bombe après les premières 45 minutes, c'est bien évidemment la formation, la lanterne rouge qui mène au score 1-0 Auspice. Mon cher Aléou, avant de répondre ou avant d'aller dans votre direction, j'aimerais vous demander, vous croyez dans quel championnat, vu le résultat, en tout cas pour les 45 premières minutes? Les 45 premières minutes. Non mais écoutez, ça paraît quand même... On est toujours en Super League professionnelle là. Ah bah sinon moi je me croyais en première ligue anglaise. On est toujours en Super League professionnelle, mais écoutez, c'est pour ça aussi qu'on aime cette phase du championnat national de football, assez excitante, assez intéressante et surtout ce genre de suspense qu'il peut y avoir dans ce championnat-là. On l'a eu la saison dernière, cette saison encore, vous le voyez là, la lanterne rouge qui tient tête au leader. C'est la preuve que tout est possible dans cette belle et intéressante Super League professionnelle. Oui, c'est la preuve et on voit que Rodrigue a toujours du mal à rentrer dans cette partie. On l'a vu, il a manqué son contrôle qui a occasionné cette touche que va effectuer Cyril Aloya. Ah oui, Christian Cochoni, je pense personnellement que la solution du côté de l'Loto Popo, ça va être de réussir à casser les lignes si on veut véritablement revenir dans la partie et s'imposer face au Dragon de Lomé. Il faut trouver le génie, l'inspiration pour surtout casser assez rapidement les lignes. Parce qu'on n'a pas vu ça en première période. D'abord, signalons que nous allons assister à une seconde partie où le jeu sera haché. Dans ce sens que les joueurs de Dragon de Lomé vont jouer au chrono. Donc c'est aux joueurs de l'Loto Popo de ne pas chercher tout le temps le contact, d'éviter de commettre des petites fautes, des fautes inutiles, d'éviter de ne pas entrer dans les débats qui ne vont que permettre aux minutes de s'égrener aussi rapidement. Donc ils doivent jouer, presser la défense. Je demandais de casser la ligne. Vont voici une occasion, la fin peut-être. Ah oui, attention! Il n'y a pas de faute, estime le juge central, ce sera finalement un corner. Mais c'est ce qu'on a envie de voir dans cette partie du côté de l'Loto Popo. Il faut trouver de la verticalité, il faut jouer sur les balles. La tête de Gaston Ngbeji, ce n'est pas cadré. Je crois que la course de Faizou Farah n'était pas bonne, elle devait aller prendre la direction du deuxième poteau. Maintenant, il s'est beaucoup plus axé, il s'est beaucoup plus orienté vers le premier poteau. Et c'était une très bonne lecture. Il a permis au défenseur d'anticiper sur l'action et de venir le tacler au dernier moment. En tout cas, ça c'est un bon début de seconde période pour l'Loto Popo. Si on peut maintenir cette vision de jeu, cette façon de lire désormais les actions, notamment de la part du maestro, du capitaine Patrick Seyamé, c'est à lui de faire peut-être cette seconde période. Maintenir et surtout d'être aussi réaliste et de concrétiser les occasions. On sait que c'est une formation qui marque beaucoup en deuxième période, la formation de l'Loto Popo Football Club. Ah oui, Adela Zakeo qui a laissé le ballon et a commis donc la faute sur Cyril Aloya. C'est du moins ce qu'estime le juge central. C'est pour le capitaine. Ah oui. Très bien joué. Cet engagement de Touré Kadem m'impressionne. Oui, c'est l'un des joueurs les plus engagés, les plus déterminés. En tout cas, qui n'aime pas perdre les secondes quand il s'agit de jouer au ballon. Et on l'a vu dans sa course et dans cette détermination tout à l'heure. Se dégage comme on peut du côté des Dragons. On a le pied sur le ballon avec Kabirou Koutier. Kabirou Koutier pour la frappe lointaine. Mais c'est sans danger pour
Chey Damilola. Faut jouer vite. Regardez Ganti, Ganti qui demande à ce joueur de à ses partenaires. Bouger. Voilà. Ils n'ont pas proposé de solution. Il n'a pas de solution dès qu'il a le ballon, il essaie. Il doit demander d'avoir, il doit demander des appels de balle. Ah oui, la faute de Agbodji Gabriel sur Faizou Kwara, le natif de Niki. Rodrigue Fassinou, on attend aussi beaucoup plus de sa part pour le compte de cette seconde période. Pas dangereux, ça combine très bien. Olympe Ganti, vous voyez, il est monté d'un cran parce qu'il sait que tout le monde peut véritablement contribuer à ce centre qui n'est pas totalement parfait de la part de Touré Kadé. Il est monté aux avant-postes. Il devrait normalement se servir de son appel pour entrer, pour chercher à pénétrer la surface de réparation. Il faut essayer de pousser l'adversaire à bout, l'amener à commettre des fautes et pour profiter de la supériorité en attaque pour pouvoir apporter le danger, créer le danger, ce que les joueurs de l'auto ne font pas actuellement. Olympe Ganti, on sait qu'il faut aller très vite du côté de l'auto pour vous parce qu'on est mené. Plus vite, on revient au score. Mieux ce serait de terminer en tout cas la partie. Oh, le 1-2 sollicité par Peter Edema ne prospère pas. Son retour défensif sera sanctionné par une faute. Par Rodrigue Fassinou, Moussa Gari, Gaston Ngueji, Faizou Kwara, qui se met en danger là, mais il s'en sort très bien. Moussa Gari. Il n'y a pas de solution autour du porteur de ballon, il n'y a pas de solution, ça se voit. J'ai l'impression que l'équipe est un tout petit peu coupée en deux. Il ne faut pas autant s'éloigner du porteur du ballon. Moussa Gari qui perd le ballon. Christian Cotoni, il n'a pas la vitesse, les jambes de 20 ans, mais il est très intelligent. Il va lancer Kabirou Koutché qui s'invite dans la phase de réparation. Christian Cotoni! C'était une fois encore très très belle opportunité pour les Dragons de Lomé. L'Autopopo a failli se faire prendre une fois encore sur cette opportunité. Mais comme toujours, depuis le début de cette Super Ligue professionnelle du côté des Dragons de Lomé, tout part de l'inoxydable Christian Cotoni. Christian Cotoni qui est en train de faire vivre un calvaire, un très très grand calvaire, un très lourd calvaire en joueur de l'Autopopo Football Club. À Ganti Olympe, à Kader Touré et à toute la bande de Mathias Deguenon. Ils ne savent pas comment marquer, comment garder, comment conserver, comment rendre ce joueur inefficace. On revoit ce duel. Regardez, il temporise, il voit, il a vu, il n'a même pas, vous le voyez, il n'a même pas levé la tête déjà avec l'expérience. Il sait qu'il aura un partenaire qui va faire la perte dans son dos. Et il a tout simplement joué dans l'espace pour permettre à celui-ci d'aller chercher avec sa course le ballon. Il
rapidement, il s'est encore replacé. Et voilà, il s'est proposé. C'est ce que les protégés, les hommes de Mathias Degen ne font pas cet après-midi. C'est ce qu'ils ne font pas. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas du côté des Blancs cet après-midi? Les Oranges et Noirs ont le pied sur le ballon. Les Oranges et Noirs mènent au score. Les Oranges et Noirs sont même applaudis. Eh oui, c'est normal, ils jouent à domicile et sont encouragés par leurs supporters. Première inspiration du staff technique de l'Autopopo. Double changement. Tayo Olatinou et David Cosmos qui vont prendre respectivement les places de Moussa Gari et de Zakiou et Zakiou Abdoulaye. Ah oui, on sait que ces joueurs, David Cosmos, Olatilou, c'est des joueurs aussi assez percutants. Oui, techniquement au point. Au point. Voilà, ce sont des joueurs qui aiment les 1 contre 1, même les 2 contre 1. Ils ont les dribbles faciles. Et c'est des joueurs qui ont déjà marqué dans cette Super Ligue professionnelle. Oui. Premier ballon pour Tayo Olatilou. Olatilou, il va se positionner. Non, c'est finalement Rodri Fassinou. On tente de trouver la faille. Oui. Dans ce bloc bien en place des Oranges et Noirs. Ah oui, la faute sur David Cosmos. Il est revenu sur la faute. Il adore ce jeu, il adore surtout se retrouver dans cette position. Gaston Ngbeji, David Cosmos, malheureusement, il ne parvient pas à récupérer le ballon. Ça profite à Koutié. La faute de Olympe Ganti sur Christian Koccioli. Le bras de trop peut-être. Oui. Jamal Fassassi, c'est un coup tactique parce qu'on sait que c'est un milieu de terrain d'habitude. Oui, un milieu. Là, depuis quelques matchs, lors du Classico, il y a un de leurs défenseurs qui a écopé d'un carton rouge. Du repositionnement tactique de Jamal Fassassi. Et par le passé, il a évolué aussi à ce poste. Il a dépanné à plusieurs reprises à ce poste. Surtout quand la formation évoluait, quand il jouait à 3 derrière. Donc ce n'est pas un coup d'essai ni un schéma, c'est parce que c'est le seul joueur capable de dépanner à ce poste. Non mais franchement, il a su, depuis le début de la partie, match propre, sans faute. On va revoir bien évidemment cette incursion de Olatilou Tayo. Vous le voyez, la façon dont il se débarrasse de son vis-à-vis. Ce joli 1-2 sollicité avec Gaston Ngbeji, malheureusement. David Cosmos ne s'applique pas. Thank you.
va repartir avec Audrey Ganquet. Olympe Ganti. Faizou Kouara. Il faut avancer. Très bon ballon de Faizou Kouara en direction de Rodrigue Fassinou. Le centre pour la tête de Guy Plessant, malheureusement, à la réception de ce bon ballon. Ni Peter Idema, ni David Cosmos. Personne n'est pas venu en tout cas reprendre ce bon ballon de Rodrigue Fassinou. Un très bon centre et un très bon appel. C'est ce qu'on n'a pas eu à assister en tout cas lors des 45 premières minutes. On a vu, regarder. Cosmos était un peu en retard, tandis que l'autre était en avance. Il manque vraiment de coordination. Je pense quand même que ça commence pas à venir. On n'avait pas vu autant d'opportunités en première période pour le Topopo. Autant de belles séquences surtout. Ah oui, ça passe pour Cyril Aloya face à Rodrigue Fassinou. Ses enjambées, ce sera finalement Odjumou Golahan. Adebayo Wassiou. Odjumou Golahan qui a joué. Ah oui, ça passe. La frappe de Paraiso qui est contrée par Olympe Ganti. Il fallait cette intervention. Il ne faut pas commettre la faute. Évite. Voilà. Il fallait cette intervention de Olympe Ganti face à la fougue du capitaine des Dragons de l'UEB, Junior. Vous voyez les enjambées de Cyril Aloya. Il s'appuie sur Odjumou Golahan qui va trouver donc Junior Paraiso. Sa frappe est contrée par Olympe Ganti. Et je le disais, Golahan qui a joué dans le même club avec Olatilou Taïo. Ils ont tous fait Assos. Ce sont des anciens sociétaires de l'association sportive Wemesta, des anciens coéquipiers qui se retrouvent aujourd'hui en tant qu'adversaires. Ah oui, la tête de Peter Edema. Il sera très 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 sollicité pour le compte de cette seconde période. Parce qu'il sera suffisamment nourri de ballon. Suffisamment, et je sais que dès qu'il aura la meilleure proposition, la meilleure option, il ne va pas hésiter à mettre ce ballon. On va revoir cette belle intervention de Olympe Ganti. Qui se couche de la plus belle des manières. Ouais, se sacrifie. Il ne faut pas commettre la faute, il faut éviter la faute. Kaberu Kouti qui obtient encore une faute au profit de son équipe. Ah, cette fois-ci, ça ne passe pas. Devant Patrick Sediamé, ouais. La virgule se transforme en point. Il y a des gestes qu'il ne faut pas tenter. Il faut mettre la pression, il faut presser. La bataille, elle est très intéressante au niveau du milieu de terrain. Ça passe. Kouragosa qui tentait de retrouver Kaberu Kouti. Mais non. On relance rapidement. David Cosmos pour son capitaine. Qui le retrouve.
Très bien joué. Le 1-2 de Peter Edema ne passe pas. Christian Cochoni s'appuie sur qui? La frappe de Agosa. Cette fois-ci, fallait. Cette main ferme de Cheikh Damilola pour repousser ce ballon. On est déjà dans l'autre moitié du terrain avec Olatilou. Olatilou, il adore se retrouver dans cette position. Peter Edema. Ah oui, le ballon est toujours là. Personne pour suivre ce ballon jusqu'au bout. Il faut être présent sur la seconde ballon. Il faut être présent sur la seconde ballon. Gaston Ngbeji. Pour Olatilou encore. Le magicien, le technicien de l'Autopopo peut-être. Avec sa patte gauche. David Cosmos, le ballon est perdu. Il doit gagner ce duel. Mais qu'est-ce que c'est très bien joué par Olympe Ganti. Très bien joué par Olympe Ganti. Ça passe. Peter Edema. Le capitaine Patrice Diamé qui a été rudoyé là, il va s'en sortir avec là. On revoit cette belle frappe de Moussa Agosa. Et c'est dévié par Cheikh Damilola. Qui n'a pas voulu prendre de risque. Oui, il n'a pas voulu prendre de risque, effectivement. Il faut s'appliquer, Audrey Ganquet. Faut pas jeter le ballon. Emmanuel Fabi, relancez le jeu. Voilà l'énorme travail de Olatilou, surtout le pressing de Peter Edema et de Ganti Olem qui n'hésite pas à gagner quelques mètres. Intéressant en tout cas depuis son entrée en jeu, le capitaine. Ça passe. Ah oui, ce sera finalement un coup franc. C'est ce que signale le juge central Thibaut Tobosso. Mais quelle intelligence, ce ballon donné dans le dos de la défense. Et oui, il faut multiplier ses gestes la prochaine fois. Et on a vu très très joli appel, très très bon appel. La part de Peter Edema. Ça c'est une bonne opportunité de revenir dans le jeu. C'est un coup franc très bien positionné. Il y a Rodrigue Fassinou qui est spécialiste de l'exercice, Patrick Sejane, David Cosmos. Moussa Gali. Excusez-moi, Kader Touré va-t-il tenter l'impossible? Je vois l'égalisation. Je voyais ce ballon de Peter. Non, tout le monde sent le coup. Ah, oh là là. Même dans les gradins du stade Omnisport d'Abrancourt, tout le monde retient son souffle. Sur le ballon, vous l'avez dit, le spécialiste Rodrigue Fassinou. Mais il y a également Fassinou, le gaucher David Cosmos. Rodrigue Fassinou. Cosmos. Face à Emmanuel Fabi. Non, il va laisser le ballon. C'est finalement Rodrigue Fassinou.
On va en profiter pour effectuer effectivement le changement du côté de l'Auto Popo avec la sortie de Faiz Para. Il n'a pas aimé Raoul Abalonoru. Oui, Raouf. Raouf, pardon. Et puis toi qui sort. Et bienvenue Vignenou aussi, qui fait son entrée en jeu en lieu place de Peter Edema. On va suivre maintenant ce magnifique coup franc pour l'Auto Popo. C'est le vice-capitaine qui est sur le ballon. Il n'a qu'à s'appliquer. Il doit s'appliquer. Ah oui, effectivement, dans ce genre de circonstances. Pour entrer dans ce match, il sait qu'il a la balle. Il sait qu'il a la balle de l'égalisation au bout des crampons. Il le sait. Rodrigue Fassino. Égalé. Rodrigue Fassino. Pour l'égalisation, bien évidemment. 2-2 qui régale. Allez où? Il nous a régalé. Rodrigue Fassino, effectivement, il a sorti le génie. Il a sorti le grand jeu. Regardez l'inspiration. Regardez là où il met ce ballon. Rodrigue Fassino, l'international béninois. Il le fait devant le nouveau sélectionneur du Bénin. Il le fait devant Moussa Latouji. Il le fait surtout devant ce magnifique public du stade Omnisport d'Avrancourt. Je sentais ce coup venir. Je sentais ce coup venir. Le match est complètement relancé. Les Dragons de l'Aimé, le péché mignon, c'est de ne pas savoir garder l'avance. Et ça s'est une fois encore matérialisé. Une fois matérialisé ici au stade Omnisport d'Avrancourt. Allez où? Maintenant, attention à ne pas sombrer du côté des Dragons de l'Aimé. Parce que ce but égalisateur va requinquer, va rebooster la formation de Grand Popo, accompagné par son formidable public qui, depuis le début de cette partie, n'a en aucun moment douté de sa formation. Et oui, et même alors qu'ils étaient menés, ils ont entonné la chanson Fétiche, l'hymne, je dirais pratique, je dirais quasiment l'hymne de l'Auto Popo. Vous connaissez avec moi cette fameuse chanson. Vous savez déjà de quel hymne je chante. Voilà, absolument, Aliou. Absolument. Ils sont là, ils sont venus malgré pour s'imposer. Malgré qu'ils étaient menés au score. Ils y croient toujours. Ils savent que le football, c'est 90 minutes. Et même si vous venez, même si vous avez évité beaucoup de pertes, jusqu'à la 88e minute et que le juge central n'a pas encore sifflé, alors vous avez la possibilité de propulser, d'égaliser ou même de revenir à la marque. Pour le moment, ils ont fait le plus dur, c'est d'égaliser. Encore un cas de jeu dans cette partie. Le corner pour les Dragons de l'Aimé. Ils ont refroidi ce public. Facilement avec son plan, refroidi ce public. On va suivre ce qu'on est avec Paraiso Junior. Pour rester concentré, la tête de David Cosmos, Vignenou, bienvenue. Regardez en quelques touches là où la formation de l'Auto Popo se retrouve. Jamal Passassi. Attention, la mauvaise relance de Emmanuel Fabi, mais ça passe quand même. C'est le moment de faire douter, c'est le moment de faire douter. Olatilou Mathias.
Très bien joué par le capitaine. Ça passe. Son ballon est contré. Agosa. Nous allons à présent sur un match, un duel entre Gantu Olympe et Christian Cochoni. Ils vont commencer à nouveau par balancer des balles aériennes pour Christian Cochoni dans la surface de réparation. Vous allez voir, toutes les balles désormais seront destinées à ce renard de surface. On va encore savourer ce but égalisateur. Cette inspiration. Regardez aussi qui se retrouve dans la barrière, qui se retrouve dans le mur, c'est Christian Cochoni. C'est-à-dire que Facinou s'est appliqué pour propulser ce ballon, pour mettre ce ballon au fond des filets. On va sur ce coup franc avec Junior Paradis une fois encore. Le ballon est repris par Rodrigue Facinou. Le capitaine pour son vice-capitaine. Rodrigue Facinou qui se dégage comme il peut. Pas de faute. Ah oui, la faute finalement de Vignino, bienvenue. Vignino, bienvenue. Rodrigue Facinou. Imran Allah. Vignino, beaucoup de ressemblances. Ouais. Dans cette formation de l'Autoboy. Mais surtout de la jeunesse. Une jeunesse qui a en face d'elle une équipe expérimentée. Ah oui, très expérimenté effectivement, l'effectif des Dragons de Lomé. Mais lorsque vous avez un groupe qui est ensemble depuis 3 ans, un groupe qui travaille ensemble depuis une bonne période, forcément la constance est au rendez-vous et ça vous permet, la connexion est beaucoup plus facile. Gabriel Agodji, Moussa Agosa. Voici où Cyril Aloya pour Kabiru Kouché. Face à lui, Rodrigue Facinou. Le ballon n'est pas. Ce sera finalement. C'est finalement 6 mètres. Ah oui, Thibaut Tobosu qui tente d'imposer lui aussi sa loi, son autorité. Attention, ne pas prendre de risques inutiles. Ah oui, effectivement, surtout pas à ce moment de la partie. Touré Kader, David Cosmos, veuillez nous bienvenue. Regardez avec ce jeu de corps. Comment il élimine son vis-à-vis. Le ballon est rapidement récupéré. Gaston Mbedi pour Rodrigue Facinou. Veuillez-nous bienvenue. Une deux avec son capitaine. Le duel des capitaines qui tourne en faveur bien évidemment de celui de Grand Popo. Oui, absolument. Et allez-vous, permettez-moi, puisqu'on a un petit moment, c'est un joueur dont on ne parle pas beaucoup dans cette formation de l'Autopopo Football Club. C'est bienvenu de nous. C'est vrai, un très bon joueur tactiquement, techniquement, discipliné, mais qui n'est souvent pas épaillé des blessures. Et je crois que c'est le petit défaut de ce garçon. Qu'est-ce que veut nous sortir encore Rodrigue Facinou? Je crois que là, il doit chercher à combiner. Rodrigue Facinou. Rodrigue doit combiner. Armé, ça frappe. Ah, le sol, ce sera un corner. Ouais. Ça veut dire qu'au fond, c'était bien joué. Eh oui. Regardez qui va défendre maintenant sur Gantin Olep. C'est Christian Cochoni. Oh, le ballon était trop appuyé. On va encore une fois savourer ce bijou, de Rodrigue Facinou. Imparable pour Emmanuel Fabilly. Ouais. Ah oui, attention, ça commence pas à craquer du côté de la défense des Dragons de Lomé. On se demandait pendant combien de temps allait-il tenir face à la fougue
de la jeunesse de l'Auto Popo. Attention, parce que Olympe Ganti, il faut éviter de se trouver, il faut éviter. Effectivement, c'est le petit secours, mais c'était sans danger. En temps de repartir cette fois-ci avec Audrey Ganquet, voici le capitaine. Bienvenue, Vignenou. Gaston Mbeji qui est lancé. Ce n'est pas son point fort. Ah oui. Par contre, celui-ci, c'est son point fort. C'est le spécialiste. Voilà, Thilo. Très bien joué. Waouh, regardez comment il est face en vis-à-vis Gaston Mbeji, voilà Thilo. Lui aussi pour faire parler son génie, sa palette technique, Rodrigue Fassinou. Regardez à Touré. Ah oui, ça passe, ça passe. La frappe derrière, malheureusement, il n'a pas su armer ce ballon. Raouf, à Balonorou. Mais c'était une fois encore bien joué. C'était le une bonne intention. Le oui. jeu de corps pour tromper son vis-à-vis. Pas de faute. Moussa Gossa. La faute sur Moussa Gossa, c'est la faute de Touré Kader. Regardez, regardez comment il mystifie son vis-à-vis avec le jeu de corps. Mais derrière, malheureusement, il ne parvient pas à armer, à armer son ballon. Et il a le retour de Jamal Fassassi aussi. Il a le retour de Jamal Fassassi. Nouvelle session de remplacement du côté des Dragons de Lomé. C'est Prince Alioké qui va prendre la place. Du numéro 14, ou plutôt de Gabriel Agodi, bien entendu, Gabriel. Odjumon Golahan, c'est finalement Odjumon Golahan qui cède sa place à Prince Alioké. On va suivre ce coup franc, attention. Le match n'est pas encore terminé. 83e minute de jeu. Coufran est centré côté droit pour la formation. Des Dragons de Lomé. Ah oui, le juge central, là, Thibaut, veut mettre de l'ordre. Moussa Gossa. Ah oui, attention une fois encore, parce qu'il y a eu un accrochage avant l'exécution de ce coup franc. Le juge central. Ils doivent rester concentrés. Il est éveillé. Et c'est ce qu'il essaie de faire comprendre aux joueurs de Dragon. Attention à la simulation. Ils doivent rester concentrés. Moussa Agossa. Le ballon est repris par Rodrigue Fassinou.
Attention, attention, pas de position régulière. Eh bien oui, l'enjeu qui a été signalé donc par Salim Malao, le premier assistant de cette partie. Enjeu rapidement. Voilà Thilou. Raouf. Ça passe. Bienvenue Vignenou pour tenter peut-être d'armer sa frappe. Eh bien non. Allez, on essaie de construire du côté de l'Autopopo. Presque tout le monde va toucher à ce ballon avant qu'on ne s'invite dans la salle de réparation des Dragons de Lomé. Personne pour récupérer ce ballon. Il faut s'appliquer. David Cosmos. Attention, on peut dire qu'il est repris. Mais ce n'est pas terminé. L'Autopopo a toujours le pied sur le ballon. Ah oui, Touré Kader. C'était sans danger. Il doit appuyer. On a besoin de plus d'intensité, de plus de force, de plus de puissance. C'est de ça qu'on a besoin. Regardez comment il passe en revue la défense. Surtout la combinaison derrière. Gaston Bedi qui est repris par un mur orange. Très bonne défense de Kaka. Ah oui, il est impeccable cet après-midi Olympe Ganty. Ouais. Il a toujours livré des copies propres à chaque prestation, à chaque rencontre, chaque fois qu'il a été allié. Jamal Fassassi pour ce coup franc à moins de 2 minutes de la fin du temps réglementaire. David Cosmos pour reprendre ce ballon. Maintenant il faut aller très vite du côté des Blancs. Ah oui, le très bon retour défensif de Bachirou Dodji. Fabi prend son temps, il va se dégager. David Cosmos, très bien joué par David Cosmos, ça passe. Le slalom, ça continue. Il faut maintenant se débarrasser du cul. Il faut servir son partenaire. Raouf. La belle défense de Jamal Fassassi. Finalement, c'est David Cosmos. Je crois qu'il a péché, il a tardé à lui-même. Il avait la possibilité de servir le partenaire. Il avait les appels de bas, il avait des solutions autour de lui. Ah oui, attention, ça passe. Central estime qu'il y avait une main. Là, le slalom, le geste de David Cosmos. Mais il fallait se débarrasser assez rapidement du ballon. On est dans les derniers instants d'une rencontre où on a forcément besoin encore d'un but pour arracher les 3 points.
Il ne faut pas laisser d'espace. Il ne faut pas permettre à l'adversaire de gagner du champ. Et c'est ce qu'il faut pour éviter cela. Très bon retour défensif de Raouf. Les Dragons toujours le pied sur le ballon. Et il continue de pousser. Ouais. Alors que les Lotto Boys sont en phase défensive pour l'instant. Ils guettent le moindre ballon. Gabriel Agodji. Moussa Gossa. Cyril Aloya. Ah oui, la frappe. Sans danger pour Cheikh Damilola. Dernière session de remplacement du côté des Dragons de Lomé avec la sortie de Moussa Gossa. Il est frustré. L'entrée en jeu. La touche pour Lotto Popo. On joue rapidement avec David Cosmos. Olatilou. Olatilou passe. Ah oui, Olatilou le magicien. Le ballon est toujours là. Oh, personne. Patrick Sejamé. Oh, la vilaine intervention de Gaston Beji. Oh, qu'est-ce que c'était une fois encore. Très bien joué. Voilà, une très bonne occasion. Malheureusement, par Olatilou. Ça n'a pas été concrétisé. Agodji. Attention à cette frappe. L'entrée. Vignonou, bienvenue. Il récupère le ballon. On va écarter sur Olatilou, malheureusement. On ne fait pas le jeu. On est dans les ultimes instants de cette partie. Ouais. Les ultimes instants de cette rencontre. On va probablement se séparer sur ce score de d'un but partout. La touche pour les Dragons. Ils ont le pied sur le ballon en ce temps additionnel. Pourquoi pas tenter d'amorcer une nouvelle offensive avec Vignonou, bienvenue peut-être. Ah oui, attention, il fallait suivre. Raouf, la touche, il faut jouer rapidement. Raouf, pour le capitaine Patrick, Touré Kader, David Cosmos, Patrick Sejamé, Rodrigue Fassinou, Olatilou. Olatilou pour passer en revue la défense. Mais non, l'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute. Et qu'il y aura finalement une faute sur Christian Cochoni.
Eh bien, la rencontre n'ira pas plus loin. On s'en arrête là, bien évidemment. Thibaut Tobosso qui vient donc de faire retentir le coup de sifflet final pour le compte de cette rencontre. À l'arrivée, les deux formations se quittent dos à dos. Que ce fut un match assez disputé dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, au sens que celui-là, ce qui j'ai personnellement jeté les pieds cet après-midi, c'est celui-là qui m'a amené, c'est celui-là qui m'a démenti, c'est celui-là qui m'a dit « Mais mon frère, calme-toi, j'ai encore un tout dans mon sac, je peux te faire clouer les becs. » En tout cas, bon, je peux te faire fermer la bouche. Oui, puisque je n'ai pas de bec, moi. Et Rodrigue Facilou m'a tout simplement surpris agréablement cet après-midi ici au stade Omnisport d'Avron pour mon cher Aliou. Mais c'est un jeu amplement disputé. C'est vrai, si lors de la première période, on a eu quelques déchets techniques côté l'Autopopo. En seconde période, les gars se sont repris. Ils ont dit, bon, nous n'allons pas quitter ici, en tout cas, Brodui. On va repartir ne serait-ce qu'avec un petit point. Et on a vu, ils ont mérité. C'était un match plaisant, pas ennuyant tactiquement. Les deux techniciens nous ont proposé un très bon jeu avec plusieurs schémas tactiques. Deux matchs de suite sans victoire pour l'Autopopo. On aura forcément une semaine désormais pour préparer la prochaine journée. Ce sera face aux Buffles du Bourgou qui ne sont pas aussi au mieux de leur forme. Une semaine, ça devrait suffire notamment pour l'Autopopo pour retrouver ses marques. Oui, une semaine pour permettre pour charger de la batterie et pour travailler plusieurs schémas tactiques, pour revoir plusieurs plans. Les gars en sont capables. Et n'oublions pas, c'est une équipe qui s'est très bien voyagée. Elle a fait presque toutes les voyages dans le Nord. C'est les trois points. Il a souvent ramené les trois points. Donc, comme d'habitude, ils iront à Parakou prendre les trois points et poursuivre désormais avec la victoire. C'est sûr, c'est peut-être un coup d'arrêt, mais c'est mieux que zéro point. C'est beaucoup plus une victoire pour, on le dira comme ça, pour les Dragons de Lémé qui avaient forcément besoin d'un résultat. Il fallait faire ce résultat et face à un leader, un petit point, ça a le goût d'une victoire forcément. Oui, le goût d'une victoire, mais on le voit dans les gradins, les supporters qui se disent, qui se félicitent et qui félicitent le staff et les joueurs. C'est mieux, comme je viens de le dire, un point face à l'Autopopo Football Club, c'est grande chose, c'est beaucoup de choses, vu qu'ils ont perdu face à des petites équipes. Et c'est devant l'auto qu'ils viennent prendre un point. Et ne l'oublions pas, ils étaient à deux doigts de faire tomber, le record de l'Autopopo. Mais ils ne l'ont pas pu. C'est-à-dire que c'est une équipe sérieuse qu'il y a devant. Il y a du bon boulot qui se fait de l'autre côté de Grand Popo. Merci Hospice pour ces pertinentes analyses le long de cette belle rencontre que nous avons pris du plaisir à vous servir, mesdames et messieurs. Chers amis internautes, merci d'être restés en notre compagnie. Prenez soin de vous, prenez soin aussi de ceux qui vous entourent.